Je me suis chauffé sans son lit, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis à ta tour. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va. C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez toi. Avec les devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pain rond, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable et lourd comme un cheval mort. Dis qu'il y a l'indispensable théorème de Pythagore. Si je dois m'arrêter tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va. L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait. Tu peux voyager du cachant autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grand, je vais être heureux, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu, jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, que voter, ça serait interdit. Parce que l'école, ça rendait les hommes libres et égaux. Le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est con qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant, papa, c'est quand qu'on va où?